Mais Esteban, on a combien de commandes là aujourd'hui? J'ai au moins dédicacé 50 cartons. Ça fait beaucoup là, non? Mais moi-même, je comprends pas. Là, je suis totalement perdu. On n'a jamais eu autant de commandes. Là, il y a quelqu'un qui m'a commandé 4 albums et 5 gourdes dans le même colis. Et tu sais ce que c'est le pire? Le pire, c'est que c'est même, ça vient même pas de la planète Terre. Je sais même pas comment c'est possible. Mais c'est incroyable! Pourquoi il y a autant de personnes qui commandent d'un coup? Je sais qu'on a beaucoup d'abonnés, mais quand même! En plus, si tu dis que ça vient même pas de la planète Terre, ça doit être une farce, c'est pas possible! Je suis en train de regarder les adresses. Là, ça part 5 avenues de Neptune sur la planète Mars. Je sais même pas comment c'est possible que des gens commandent nos produits sur une autre planète. Ils partent comment? Ils partent en fusée ensuite? Non, mais là, t'es en train de me dire que des extraterrestres regardent nos vidéos et écoutent nos musiques! C'est pas possible. Arrête de... Bah ouais, ça paraît incroyable, mais... Il y a bien des gens qui commandent de partout, de chez partout. Là, par exemple, ce colis, il est envoyé sur Mars. Incroyable. Non, mais tout ça, c'est un prank, c'est sûr. Je vois pas pourquoi des Martiens écouteraient nos musiques. Enfin, c'est impossible. Eh oui, tu rêves pas sur Mars. Et en plus... Je deviens fou. Hier soir, ils m'ont envoyé plein de messages. Ils m'ont dit « Lily Rose, Pink Lily, sur Mars, on adore tes musiques. » Apparemment, sur leur planète, ils passent nos musiques tout le temps, dans les magasins, dans leurs maisons. Tout ça, ils sont en mode « Kwakubé, voilà les 2010. » Bon, je comprends pas. Mais bon, en tout cas, nous, c'est bien, ça nous fait vendre des albums. Mais je sais pas comment ils nous ont découvert. Ah bah tiens, encore une autre commande. Encore sur Mars? Mais quoi? Mais c'est pas possible! Et cette fois, ils veulent un t-shirt Kangoo Jump. Mais on en a déjà vendu plein! Non, mais t'imagines, sur Mars, ils écoutent Kangoo Jump. Mais quoi? Mais c'est pas possible! Mais ça trouve tous les enfants martiens, ils aiment bien. T'entends? Ouais? C'est quoi ce bruit? Je sais pas. On dirait que ça vient du garage. On va voir ou pas? Attends, attends, attends. T'entends? Mais c'est des bruits bizarres. Ça fait blablabla. Attends. T'entends? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Attends. S'il se passe un truc bizarre, il faut que je le filme. Attends. C'est impossible. Attends. C'est quoi ça? Regarde le nombre de messages que j'ai reçus. Oh, 8200 messages. Mais quoi? Mais attends, mais ça se trouve c'est les martiens. J'ai reçu 8200 messages en 5 minutes. Bon, vite là, faut qu'on aille voir. C'est quoi les messages? Mais c'est une langue inconnue. Bon, salut à tous les amis. Ouais. Voilà, là on se retrouve dans une vidéo. On va aller voir ce qui se passe dans notre garage. Parce qu'on pense que des martiens veulent rentrer chez nous. Alors cette vidéo paraît totalement improbable. Mais là, on entend des bruits. Vous les entendez certainement, ça fait comme des plans. C'est vraiment trop bizarre. Et on les entend frapper, sur la porte. Vas-y, j'espère qu'ils sont pas déjà rentrés. On les entend frapper sur la porte. Je sais pas si vous entendez. Attends, vous entendez? Vous entendez ou pas? Ils sont en train de frapper. Regardez. Ils sont juste derrière. C'est quoi ça? Tu te fasses repérer, okay? En plus, c'est même pas notre langue, quoi. C'est, je sais pas, c'est un truc bizarre. Ils parlent comme sur la planète Mars. C'est ce que je t'ai dit. Bon, Lily Rose, à mon avis, c'est des fans de toi. Va de l'autre côté de la voiture. J'arrive. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfermer dans la voiture et on va ouvrir le garage pour voir ce qui se cache derrière. On fait ça? Ok. On ouvre le garage et on voit ce qui se passe derrière. Ok. Ah, je suis pas prête là. Non, moi non plus. Je suis pas prête plutôt. T'es prête ou pas? Non. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Là j'ai peur. Vas-y, cache-toi un peu. Qu'est-ce qui va mais se passer? Y a quelqu'un derrière ou pas? Je vois des pieds. Oh, y a des pieds. Y a des combinaisons. C'est quoi Regardez. Ça? Regardez. Non, non. C'est quoi ça? Le garage est bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, t'as vu, il y a des gens en combinaison d'astronautes. On n'a pas fermé la fenêtre. Le garage est en train de se fermer. Ferme la fenêtre. Mais je peux pas, c'est... On peut pas les bloquer. Oh là 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 là. C'est qui ça? Mais je sais pas qui c'est des martiens. Mais c'est des aliens ou quoi? C'est les agents martiens. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je me souviens d'eux, ils sont déjà venus dans une vidéo. Oui. C'est les agents martiens. Ah oui, c'est vrai, on leur a donné des Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils voulaient venir chez nous pour prendre des pop-its. À mon avis, maintenant, ils sont fans. Oh bon, non. Écoute, il faut négocier avec eux. Personne va nous impressionner. On est chez nous. Ok.
Ah mais c'est quoi coupé ça? Regarde. Ah il danse le quoi coupé. Non mais c'est pas possible. Est-ce que vous connaissez la nouvelle musique aussi, la rentrée? Ils sont fans de la rentrée. C'est quoi ça? Bon écoutez. Pourquoi vous êtes venus? Il a mis son mec. Pourquoi vous êtes venus? À mon avis, ils sont fans. Bon, écoute, on va leur offrir. Ah, bah le chat qui veut s'enfuir. Oh. Ah, et les aliens, vous ramenez pas notre chat. Venez, on va vous emmener dans un lieu que vous allez beaucoup aimer. Venez ici. Allez, rentrez. Regardez, venez. Allez, vous aimez bien? Allez, venez ici. Tout le monde bon, ici. Regardez, là, franchement, allez. Vous avez la totale. Allez, là, vous êtes. Tenez votre panier. Vous êtes au bon endroit. Tenez un panier, en fait. Écoutez. Ah, c'est quoi ça? Regardez, ils enlèvent leur masque. Ah, ils enlèvent. Ah, oh, mais vous êtes trop mignons. Mais qu'est-ce que... Non, mais en vrai, ils sont comme ça en dessous de leur masque. Vous êtes trop chou. Bon, écoutez, gardez ça. Nous, on n'en veut pas sur notre planète. On n'en a pas besoin. Vous voulez faire une courbe, Kinky? Écoutez. Gratuite. Hein. Écoutez, je vous propose un truc. Comme sur votre planète, vous nous achetez plein de trucs. Vous pouvez faire vos courses ici tranquille. Non. À la fois. Est-ce que vous voulez un pop-it? Et surtout, regardez, j'ai quelque chose à vous présenter de très intéressant. Oui. Regardez, on a des trousses maintenant. Des nouvelles trousses Pink Lily. On a des trousses, regardez. Ah, voilà, regardez. Prenez-en deux. Que? Et on des a stylos. Aussi des stylos Pink Lily. Vous en voulez? Écoutez, je vous en donne un carton complet. Ouais, allez. Vous distribuez à toute la Terre, ok? Vous distribuez non, ça. Vous distribuez à toute votre planète. Chut, il faut qu'il nous en reste pour les abonnés français qui habitent sur la planète Terre. Oui, parce que vous êtes vraiment une minorité, quoi. Ah bah, minorité, ils nous ont fait des dizaines de commandes. Hein. Ouais. Bon, d'ailleurs, j'étais en train de faire une commande sur la planète Mars pour vous. Peut-être que ça... Vous connaissez... Vous le connaissez ou pas, Blo? Ah, c'est bah, votre vous... ami. Bah, vous lui donnerez sa commande. Vous partez déjà... Non, en fait, vous venez juste... Non, mais c'est des gros hypocrites, en fait. Ah, non, mais ils viennent juste pour récupérer des trucs gratuits. Non mais je rêve. Attends mais ils sont juste venus pour récupérer des trucs gratuitement là. Non mais n'importe quoi. Bon franchement les martiens pas très respectueux. Ils ont beau nous aimer, ils connaissent toutes nos musiques par cœur. Bon les amis vous l'aurez compris, pour la rentrée, pour fêter la rentrée, bah ils l'ont embarqué ma petite trousse. Mais on a fait des trousses Pink Lily. Et également des stylos Pink Lily qui écrivent en bleu. Donc c'est parfait pour tous ceux qui rentrent à l'école ou qui ont besoin pour le travail de stylos bleus. Et évidemment, dans toutes nos commandes, on met un carton dédicacé par moi. Et l'album, quand vous le commandez, il est aussi dédicacé. Ouais. Bon, nous maintenant, on va devoir ranger un peu notre boutique et compter ce qu'ils nous ont pris parce que du coup, on n'a pas vraiment vu. Et j'ai les commandes à faire aussi pour les gens qui habitent sur Terre, quoi. Et oh. Non mais je rêve. Ouais, retournez sur votre planète là. Mais ils sont fous. Bon. Les amis, on se retrouve à la prochaine et j'espère qu'il n'y aura pas autant de martiens. Allez, à plus.